Ah non, il vient par Rockler qui vient à la défense. Ah pardon, je vous dis quand même, alors c'est ministre, mais pas souvent en Rockler, on va être là. Déjà qu'on entend. Nous allons encore attendre 2-3 petites minutes, le temps que les personnes qui sont dans la file d'attente prennent place. Pour laisser du temps aux intervenants, je vais tout de suite commencer par l'introduction de cette table ronde. L'Europe à l'heure de choix. Dernière, l'obligation de reporting des choix stratégiques. Donc, nous sommes confrontés à l'évolution réglementaire avec la future Corporate Sustainability Reporting Directive, la CSRD, dont la publication est attendue dans les prochaines semaines et qui porte l'ambition européenne en matière d'économie durable. Elle marque une très très forte évolution pour le reporting ESG ou de durabilité. Alors, on emploie désormais ce terme parce qu'auparavant, nous parlions de reporting extra-financier, ce qui était un peu crétin. Finalement, ce qui est en dehors de la finance n'est pas censé avoir beaucoup d'importance. Moi, j'aurais préféré qu'on parle de co-financier, ce qui a de l'importance au même titre que la finance, mais ce n'était pas le sujet. Bon, les Britanniques, les Anglo-Saxons parlaient de non-financier. Et désormais, donc, il y a quelque chose qui se dessine, la traduction de sustainability en ESG ou durabilité, ce qui parle bien aux Québécois, la durabilité, peut-être moins bien aux Français, je ne sais pas. Et donc, c'est un vrai challenge pour les entreprises qui étaient déjà assujetties à la NFRD, avec chez nous en France la DPEF, déclaration de performance extra-financière. Et puis, ça constitue un véritable challenge pour les entreprises qui, jusqu'à présent, échapper à l'obligation de reporting. Donc les entreprises de plus de 250 personnes, plus de 40 millions d'euros ou plus de 20 millions de bilans, répondant donc à deux de ces trois seuils. Et là, ça va marquer une évolution très, très sensible. Avec la prise en compte de la double matérialité, les intervenants reviendront sur ce sujet, avec une plus grande implication de la gouvernance, avec des KPI également élargis à la supply chain, avec une plus grande... une demande accrue en termes de transparence et en termes de robustesse des données. Donc la CSRD elle a pour vocation de constituer un puissant levier de la transformation durable des entreprises européennes. Elle rompt avec la logique du reporting rétroviseur que l'on connaît en France depuis une vingtaine d'années. On est bien davantage dans la logique de prospective avec une notion d'engagement, sur des trajectoires. Pour travailler sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir non pas Thomas Le Sueur, qui a une obligation de dernière minute auprès du ministre Christophe Bréchu, mais Salvatore Serravalle, qui est chef du service de l'économie verte et solidaire du Commissariat général au développement durable. À ses côtés, Philippe Zawati, qui est directeur général de Mirova, société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement durable, que vous avez créée au sein de Natixis en 2014. À vos côtés, Grégoire Chauvière-Le Drian, chef du bureau du groupe Banque européenne d'investissement en France. Sébastien Mandron, vice-président, directeur RSE, directeur immobilier de Worldline, filiale du groupe Atos dans les activités de paiement et administrateur du C3D, collège des directeurs du développement durable. Et enfin, Mélodie Méranda, responsable projet ISR, économie circulaire et RSE, au sein du département RSE du groupe AFNOR. Donc on va tâcher de tenir dans 50 minutes pour vous laisser l'opportunité d'interagir avec les intervenants. On commence sans plus tarder avec vous, Salvatore Serravalle, sur ce que vous inspire le thème de cette table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. Ce que m'inspire le thème, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y avait un vrai besoin en France et en Europe d'une avancée sur la donnée extra-financière.
pour qui s'est penché sur un DPEF récemment, a bien vu que c'est très compliqué de naviguer dedans et d'y extraire la donnée utile pour véritablement connaître la performance ESG d'une entreprise. Et donc, il y avait un besoin de standardisation, d'harmonisation, de lisibilité de la donnée extra-financière. Et donc, ce cadre, il est désormais posé par l'Union européenne avec cette directive qui a fait l'objet d'un accord politique, qui doit maintenant être formellement ratifié. Et je souhaiterais évoquer trois avancées notables. Il y en a beaucoup d'autres, mais trois qui me semblent importantes à évoquer ce matin avec vous. La première, c'est comme c'est dit dans l'introduction, c'est le fait qu'avec la CSRD, on demande désormais aux entreprises d'avoir une vision prospective et en particulier d'expliquer comment elles comptent contribuer à l'atteinte de l'objectif fixé par l'accord de Paris, à savoir de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. Donc on leur demande, avec la CSRD, d'établir un plan d'action avec des objectifs visant à atteindre cet objectif fixé par l'accord de Paris. Donc c'est important parce que voilà, on implique désormais davantage les entreprises dans l'atteinte des objectifs. La deuxième avancée, c'est l'affirmation d'une souveraineté européenne en matière de standards, de données. On a eu il y a une vingtaine d'années des débats autour de la norme comptable et on va dire une bataille intellectuelle qui a été gagnée par les anglo-saxons. J'ai l'impression qu'on ne refait pas la même erreur cette fois-ci. Et notamment, et je crois que Philippe en parlera peut-être plus en détail, on a établi dans cette directive le principe de double matérialité, qui est un principe qu'à ce stade ne retiennent pas les anglo-saxons, qui consiste, pour le résumer, à dire qu'on doit non seulement tenir compte de l'impact des évolutions climatiques sur l'activité financière d'une entreprise, mais aussi l'inverse. Comment une entreprise, quel est l'impact d'une entreprise sur le monde qui l'entoure? Et donc ça nous semblait important que l'Union européenne ait bien cette double approche, ce principe de double matérialité qui est consacré par la CSRD. Et puis la troisième avancée qui me paraît importante, un peu plus technique, mais qui sera un vrai changement, c'est l'établissement donc, de ces standards par les FRAG. C'est un travail qui est en cours, c'est peut-être moins visible et moins sexy que, voilà, qu'une directive, mais il n'en reste pas moins que c'est peut-être surtout là que beaucoup se joue sur l'établissement des standards, des normes, des objectifs qu'on devra se fixer. Et au travers de cette standardisation, on est en train d'établir un point d'accès unique européen, donc c'est un règlement qui est en cours, donc c'est un endroit où seront stockées l'ensemble des données financières et extra-financières, avec l'idée que ce soit en open source. Et donc, tout le monde aura accès à cette donnée. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pendant quelques années, mais il y a un moment où cette donnée financière, extra-financière, sera transparente, complètement transparente, et concentrée dans un point unique, piloté par Eurostat et la Commission européenne. Là, l'objectif sera de permettre aux parties prenantes, aux parties intéressées, d'avoir un accès à ces données et de pouvoir comparer. Tout à fait. Après, voilà, vous aurez évidemment des bureaux d'études qui pourront s'emparer de la donnée, la triturer, la travailler pour mettre en valeur les évolutions, les performances, comparer effectivement des entreprises qui ont déposé leurs données extra-financières et financières. Merci beaucoup. Même question pour vous, Philippe. Que vous inspire ce thème ? Ah, bonjour à toutes et tous. Je crois qu'on est dans un moment un peu crucial dans l'histoire de cette finance durable, de façon générale. On est un peu à la croisée des chemins, il me semble. C'est-à-dire qu'on a vécu ces 10 dernières années, vous faisiez référence à la création de Mirova, c'était il y a une dizaine d'années, un monde où il fallait déjà que la chose existe, j'allais dire, qu'elle soit mise sur la table, ce qui n'était pas le cas du tout il y a 10 ans. Et donc on a eu une phase que j'appelle la phase des pionniers, on va dire, où un certain nombre d'acteurs, petits acteurs généralement, ont essayé de démontrer que la chose était possible. Et donc on pouvait faire de l'investissement un bon business, soutenable de tous les points de vue, mais avec une forte conviction sur l'intégration des enjeux environnementaux et sociaux dans les décisions que l'on prend. Là, depuis maintenant quelques années,
2-3 ans, il y a une explosion du sujet. C'est très récent. Véritable explosion. On la voit d'ailleurs ici, en partie. Tout le monde ne parle plus que de ça, maintenant. Et donc, tout le monde fait de l'ESG, tout le monde fait de l'investissement responsable, tout le monde est labellisé. Et donc, on a cette espèce de ce qu'on appelle mainstreaming, qu'on a tous appelé de nos voeux pendant très longtemps, en disant il faut qu'on sorte de la niche et il faut que ça devienne mainstream. Et bien voilà, maintenant, c'est mainstream. Sauf que ce mainstreaming, ça s'associe et s'accommode assez naturellement d'un très grand nombre de passagers clandestins et d'un risque de greenwashing qui est massif. Et donc, on rentre dans le dur maintenant, dans le vif du sujet, parce que s'il y a quelques années, il était facile d'identifier celui qui faisait de l'investissement responsable et celui qui n'en faisait pas, aujourd'hui, ça devient compliqué. Et donc, on a besoin d'outils de plus en plus importants et on rentre, je dirais, vraiment dans le moment où il faut se confronter au réel, hein, y compris nous, les pionniers, en quelque sorte. Jusqu'à présent, c'était peut-être la partie facile du business qu'on a eu à faire, c'est-à-dire démontrer que c'était possible. Bon. Là, maintenant, il faut se coltiner avec les vraies réalités, les vraies difficultés. Je crois que les controverses vont devenir de plus en plus importantes, les difficultés vont devenir de plus en plus fortes. Et pour ça, le sujet des données est évidemment un sujet clé. Parmi les attaques que l'on voit aujourd'hui sur l'investissement responsable, que vous voyez se développer, qui sont massives, hein, jusque au Texas, hein, avec cet État du Texas qui vient de bannir un certain nombre d'entreprises financières parce qu'elles les trouvent trop vertes, parce qu'elles excluent un certain nombre d'investissements dans les industries fossiles. Vous avez des attaques violentes contre l'ESG qui disent... Soit d'un côté, certaines attaques vont vous dire c'est une illusion, ça sert à rien, de toute façon la finance ne peut pas se réformer. Soit vous avez des attaques de type Texas qui vous disent voilà, c'est hyper dangereux, ça va déstabiliser complètement le système, ce sont des fous furieux, ce sont des ayatollahs, etc. Et donc, on doit naviguer entre les deux, et la donnée va devenir un élément clé pour naviguer dans ce nouveau paysage. Et je crois qu'on va avoir une révolution de la donnée. Cette révolution de la donnée, elle passe par plusieurs aspects. Elle passe par une multiplication des données, d'abord. Et donc ça, c'est quelque chose qui va un peu à l'extérieur de ce qu'on est en train de parler là. Une multiplication des données, ça veut dire des données qui viennent de sources extrêmement différentes. Aujourd'hui, pour mesurer l'empreinte, je ne sais pas moi, les émissions de méthane d'une entreprise, vous n'avez plus besoin d'aller demander à l'entreprise quelles sont ses émissions de méthane. Vous regardez avec un satellite et usine par usine, vous allez pouvoir détecter les émissions de méthane d'une entreprise. Donc vous avez des tiers qui aujourd'hui arrivent et vont pouvoir apporter de l'information et de la donnée. Mais on continue à avoir besoin malgré tout d'une information fiable qui vient de l'entreprise elle-même. Et c'est ça dont on est en train de parler là, à travers la régulation. Et donc cette information qu'on va demander à l'entreprise, il faut qu'elle soit pertinente et suffisamment simple. Je crois que c'est les deux éléments. Et je vais terminer rapidement là-dessus. Aujourd'hui, une des problématiques du débat qu'on a entre la vision américaine et la vision européenne, pour simplifier, même si c'est un petit peu caricatural, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gros acteurs européens qui sont très proches de la vision américaine. Il ne faut pas se leurrer quand vous voyez le courrier que l'AFEP, l'Association des grandes entreprises françaises, a envoyé très récemment à la Commission européenne. Vous voyez qu'en réalité, l'AFEP prend fait et cause pour l'IISB, c'est-à-dire pour la vision américaine. Donc c'est une façon un peu trop caricaturale, à mon avis, de présenter les choses. Mais admettons, donc, entre ces deux visions-là, vous avez deux sujets, à mon avis, à suivre. Un, c'est la pertinence. Sur la pertinence, vous avez d'un côté la vision américaine qui consiste à dire « Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le business de l'entreprise. Business is business. Point. » Et donc, je ne regarde les sujets environnementaux et sociaux que s'ils ont un impact sur les résultats financiers de l'entreprise. Et alors, Emmanuel Faber, qui préside donc l'IISB, l'a dit de façon extrêmement claire dans des interviews encore récemment. Il dit « Nous, on va demander toutes les informations aux entreprises, mais ensuite, on va les filtrer. » Et celles qui ont un impact matériel financier, on les retient. Les autres, on ne s'en occupe pas. Voilà. C'est extrêmement simple, extrêmement clair. Et donc ça, évidemment, ça aboutit à la continuité du business as usual, point. Et donc c'est même, j'allais dire, c'est pas seulement insuffisant, c'est contre-productif. Et puis vous avez la vision européenne qui, elle, donc, est la double matérialité. Mais à l'inverse, vous avez quand même un autre sujet qui est la simplicité.
On ne peut pas imposer des nouvelles normes si ce sont des usines à gaz. Ça ne tient pas, ça ne fonctionne pas. Il y a un rejet, et donc du coup, on n'arrive pas à les imposer. Et aujourd'hui, vous avez la vision du ISSB, la vision américaine, qui est de présenter quelque chose de relativement simple, quand l'EFRAG, au niveau européen, est en train de construire quelque chose qui, là, de ce qu'on voit, les premiers éléments qu'on commence à voir, est quand même extrêmement complexe. Si on arrive à un moment donné à combiner pertinence et un minimum de simplicité, je crois qu'à ce moment-là, on arrivera à gagner la bataille des standards. Merci beaucoup. Est-ce que autour de la table, l'un d'entre vous souhaite apporter un commentaire sur ce que Salvatore et sur ce que Philippe viennent de dire ? Non ? Grégoire, c'est à vous. Merci et bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir autant de monde, hein, d'ailleurs, dans les couloirs de Pro Durable. C'est aussi le succès et cette dynamique que l'on ressent. Je voudrais simplement apporter un témoignage, et vous ne me demandez pas forcément de réagir au thème, mais c'est le premier mot, moi, que je retiens, c'est le mot « Europe ». Et peut-être de dire qu'au-delà de l'aspect régulation, l'aspect normatif, et qui est très important dans l'édiction d'une norme et pour éviter effectivement les passagers clandestins, l'Europe se donne aussi et se dote de moyens pour, si on peut le dire, montrer l'exemple en termes de politique d'investissement. Et c'est le cadre notamment de l'institution que je représente aujourd'hui, la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'Union européenne, dont les États membres sont les actionnaires, et qui a fait de quelque part d'une obligation de reporting son cœur de métier presque historique, en allant chercher non pas forcément la rentabilité d'un projet, et ça depuis plus de 60 ans. Les données financières sont importantes, mais ne sont pas déterminantes dans la politique d'investissement, mais en analysant l'ensemble de ce qu'on va appeler les externalités positive et négative d'un projet, c'est-à-dire l'ensemble des impacts sociaux, économiques et environnementaux qu'un projet peut avoir sur son territoire. Et je pense que vous pouvez nous rappeler quel type de projet la Banque d'investissement européenne est censée accompagner. Pardon, j'aurais dû commencer même par ça. La Banque européenne d'investissement, donc la BEI, investit sur des priorités de politique publique européenne sur l'ensemble du territoire européen pour 90% de son activité et 10% à l'extérieur de l'Union européenne. Quatre objectifs principaux, le financement des infrastructures. C'est d'ailleurs pour cet objectif principal que la BEI est peut-être le plus connu. Elle a accompagné la plupart des collectivités territoriales dans le développement des infrastructures dites de réseau, transport, électricité, ferroviaire, etc., sur l'ensemble des territoires européens. Le financement des PME, qui est une grande part de son activité, qui se fait de manière intermédiaire par des fonds d'investissement, comme Mirova, ou par des banques. Le financement de l'innovation. Je cite souvent en référence le vaccin que la plupart d'entre nous ont dans nos veines. Derrière, il y a des travaux de recherche et développement qui ont été menés par une medtech allemande et que la Banque européenne d'investissement a soutenu dès 2019. À l'époque, c'était pour le traitement de certains cancers par l'ARN messager que maintenant tout le monde connaît. Mais preuve qu'il y a aujourd'hui une émergence d'entreprises qui sont accompagnées par la Banque européenne d'investissement. Et le quatrième axe, c'est tout ce qui a trait à l'environnement, climat, biodiversité, transition énergétique que la BEI finance. Au passage, d'ailleurs, la BEI ne coûte rien aux contribuables, puisqu'elle a un modèle assez vertueux qui vise à émettre des titres sur les marchés obligataires pour se financer, et elle rétrocède ces financements, elle prête l'argent qu'elle lève sur les marchés à ses clients finaux. Au passage, d'ailleurs, sur les émissions obligataires, la BEI essaye d'être innovante, l'Europe essaye d'être innovante. En 2007, la Banque européenne d'investissement avait été le premier émetteur de ces titres verts, appelés aujourd'hui Green Bonds, et qui sont totalement intégrés par le marché, là où en 2007, c'était une innovation financière. Preuve qu'il peut y avoir, l'Europe peut être moteur d'innovation, en particulier d'innovation financière, et c'est ce qu'on essaye de porter dans cette dynamique qu'on porte au niveau européen. On transforme cette institution vieille de plus de 60 ans pour en faire une Banque européenne du climat. Et associé à cette ambition en termes de transition énergétique, de climat, il y a effectivement ce que l'on va appeler l'engagement des contreparties, qui fait référence également aux engagements de Glasgow l'année dernière, où on engage contractuellement les clients qui vont bénéficier de financements européens sur une trajectoire. On n'est pas simplement sur une vision à la date T, un rapport ESG annuel, on est réellement sur un engagement contractuel
de s'aligner ou en tout cas d'être cohérent avec les engagements de Fit for 55, donc de décarbonation à horizon de 2030 d'une partie des activités. Et ça justifie aujourd'hui qu'on accompagne des acteurs en particulier les plus polluants, les plus émetteurs, que ce soit ArcelorMittal pour décarboner leurs outils de production, Safran pour trouver le moteur aéronautique de demain. On est dans notre rôle pour essayer de trouver des solutions et accompagner les entreprises qui acceptent de rentrer dans cette trajectoire positive. Donc là encore, comme l'évoquait Philippe Zawati précédemment, importance des données, importance du reporting pour vous. Totalement. Nous, en amont d'une décision d'investissement, on étudie le projet qui est porté. Donc, il y a une donnée à l'adapter. Et naturellement, il y a un reporting qui se fait de manière régulière et fréquente pour s'assurer que les KPI, que les engagements qui sont pris avec nos partenaires, nos clients, soient tenus sur l'ensemble de la durée de vie du projet. On aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter un complément ? Non ? Eh bien, Sébastien. Alors, je pense que en fait, l'Europe a alors des choix. Je pense que pour ceux qui ont raté le début, il y a beaucoup de choix qui ont déjà été faits, en fait. Et je dirais, le train, il est déjà parti, en fait. Nous, on a l'impression qu'il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. La vérité, c'est que le train, il est déjà parti. Le train, dessus, c'est écrit COP21, c'est écrit taxonomie, c'est écrit CSRD. Donc, il y a plein de choses, en fait, qui sont déjà parties. Et qui y a dans le train, en fait ? Ben, dans le train, vous avez tous ceux qui sont contraints par la réglementation. Alors, initialement, française, les accords de Grenelle et tout ce qui va bien. Maintenant, l'Europe. Donc, toutes les sociétés cotées. Donc, vous trouvez dans ce train toutes les sociétés cotées. Vous allez trouver en tête de train ceux qui sont les plus matures, voilà, qui ont identifié que c'était une bonne pratique de management. Voilà, vous avez en effet les gens qui sont du côté plutôt des pollueurs, mais c'est leur, c'est pas leur métier de polluer, mais leur industrie fait qu'ils sont polluants. Et puis là, on voit monter dans le train en fait des gens qui ont compris que finalement, le truc, c'est pas une contrainte, c'est-à-dire que c'est un avantage compétitif. Donc eux, on voit qu'ils sont montés dans le train, ils étaient dans le train au début, alors ils étaient réglementairement, on les avait poussés dans le train pour les contraintes réglementaires. Et puis on voit qu'en fait, ils étaient à l'arrière du train et là, en fait, ils sont en train de passer devant. C'est-à-dire qu'ils sont en train de monter plutôt plus près de la locomotive. Donc vous avez ce mouvement qui est en train de se positionner avec des gens qui mettent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent, quand ils vendent leurs produits, expliquer qu'ils sont neutres en carbone, qu'ils font attention à la fournisseur, ils font attention à la biodiversité, etc. Donc ça, vous avez le train qui est parti. Puis vous avez ensuite les entreprises de plus petite taille qui ne sont pas forcément... réglementés, ou en tout cas soumis à des réglementations, qui ont identifié que pour elles, ça avait du sens. Le patron jugeait que ça avait du sens. Il y a des grands groupes français aujourd'hui, c'est le mouvement qu'on voit, qui recrutent en fait des directeurs RSE parce que c'est des sociétés familiales dont les dirigeants sont proches de la soixantaine, qui ne savent pas traiter fondamentalement le sujet, mais dont leurs enfants se disent « Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, en termes de RSE ? Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, ils sont en train de s'équiper, justement, avec des directeurs RSE pour adresser ces sujets-là. Donc vous avez, en fait, fondamentalement, beaucoup de gens qui prennent le train. Puis vous avez toujours ceux qui restent sur le quai en disant « Mais non, il n'y a pas de train, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de train. » Voilà. Mais la vérité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la voie ferrée a été bâtie par la France dans un certain nombre de choses. L'Europe est en train de continuer cette voie ferrée, mais la voie ferrée, elle est en place. Le train, il avance. Voilà. Donc on rajoute des échelons, on rajoute de l'ambition. Et n'importe quel directeur RSE vous dirait que ce qu'il fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait l'année dernière et rien à voir avec ce qu'il ferait l'année prochaine parce qu'on découvre des nouveaux sujets. Le sujet de la taxonomie, c'est ce qui nous occupe depuis les 12 derniers mois et c'est ce qui va encore nous occuper pendant les prochains mois. Mais il y a d'autres sujets qui se présentent, la neutralité carbone, la gestion de la biodiversité. Et donc, je dirais, l'Europe, fondamentalement, est positionnée sur ces sujets-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cette réglementation que nous, Français, on perçoit parfois comme contraignante, si vous vous positionnez sur un rôle d'acteur, ou comme insuffisante si vous êtes du côté militant, la vérité, c'est que ce qu'on voit, c'est que typiquement, la taxonomie, ça crée des barrières à l'entrée et c'est une forme de protectionnisme. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand on discute avec des fournisseurs européens, ils vont prendre en compte ces contraintes pour rester dans le business. Et quand vous allez parler avec des fournisseurs qui sont plutôt australiens ou américains, ils vous expliquent que l'Europe, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils connaissent. Et donc, les fournisseurs européens vous diront donc que fatalement, ils veulent bien les remplacer. Voilà. Donc, on voit bien que
cette réglementation est fondamentalement beaucoup plus structurante que ce qu'on peut percevoir. Et un sujet comme la taxonomie est en train de rentrer un niveau de protectionnisme aux bénéficiaires, évidemment, des Européens qui vont l'appliquer par rapport à ceux qui respecteront pas ces règles. Un commentaire ? Cette notion de protectionnisme, Salvatore ? Oui, pas forcément un terme que le gouvernement reprend, français en tout cas. L'Europe. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le reprend pas que ce n'est pas forcément. Non, mais par ailleurs, je ne suis pas complètement d'accord. Vous appelez ça relocalisation, hein ? C'est la même chose. Hein ? Non, ce n'est pas du protectionnisme, dans le sens où on mettrait des barrières indues au commerce mondial. La France et l'Europe sont plongées dans le commerce mondial. Il y a des critiques sur le commerce. Effectivement, il y a peut-être eu des abus par le passé sur le libre-échange. Mais c'est simplement la taxonomie, c'est une manière de fixer une grammaire européenne sur ce qu'on entend par développement durable. Et on demande évidemment à nos acteurs sur le marché intérieur de s'y conformer. Et plutôt pour des raisons d'équité concurrentielle, en fait. Et pour pas que nos acteurs européens soient pénalisés par rapport à ceux de l'extérieur, ceux qui veulent entrer sur le marché intérieur devront aussi se conformer. Donc c'est pas du protectionnisme, c'est fixer une ambition environnementale et ensuite dire que pour ceux qui voudront venir sur le marché intérieur, ça devra se faire dans les règles d'équité concurrentielle et donc avec les mêmes standards. Et comme quoi, le choix des mots, je pense que tous les deux disent exactement la même chose, mais effectivement, derrière la notion de protectionnisme, on voit des choses assez négatives alors qu'on est dans un système tout à fait vertueux. Mélodie. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation à cette table ronde. Ravie d'apporter une petite touche féminine à cette table ronde. Ce n'est pas faux. Donc, c'est vrai qu'au niveau du groupe AFNOR, on partage clairement la vision qui est celle de dire que le reporting de durabilité a pour objectif de concilier finalement performance économique et considérations sociales et environnementales. Et sur la base de ça, il y a un constat qu'on a fait ces 2-3 dernières années qui est intéressant, je pense, de partager avec vous. On n'a jamais enregistré au niveau du groupe AFNOR, sur ces 3 dernières années, autant de demandes de labellisation RSE volontaire de la part des entreprises. Quand bien même on a traversé une crise économique, sociale, sanitaire, qui a bouleversé pas mal de choses. Donc c'est un signal fort quand même, qui est de dire que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui voient dans la RSE une opportunité de pérenniser leurs activités économiques et d'être plus résilients face à des chocs tels que ceux qu'on a connus. Et donc, avec la CSRD, je pense qu'il y a un réel enjeu à faire comprendre aux entreprises que s'engager dans le développement durable ou dans la RSE par la seule porte du reporting avec une grille d'indicateurs n'a de sens que si cette grille d'indicateurs et ces indicateurs sont connectés à la stratégie de l'entreprise. Et si on relie vraiment reporting avec stratégie. Et en cela, du coup, l'approche de la CSRD, elle est hyper intéressante puisqu'elle va obliger à juste titre, les entreprises à communiquer dans un premier temps et à reporter dans un premier temps sur leur stratégie de durabilité, sur leur business model durable, sur la manière dont elles vont déployer les actions pour répondre aux objectifs qu'elles se fixent et sur comment elles vont mesurer la performance de leurs actions. Et donc la CSRD s'inscrit vraiment dans cette logique de vouloir connecter stratégie à RSE, performance financière à performance extra-financière. Et en cela, c'est hyper encourageant et positif que d'avoir un texte et une directive européenne qui s'impose avec ce triptyque-là et cette approche-là. Voilà. Un commentaire, messieurs ? Non ? Oui, Philippe ? Peut-être un commentaire pour revenir sur la question de l'Europe, en fait, hein, puisque c'est au cœur de... du combat-débat donc, entre normes américaines, normes européennes, etc. J'ai souvent dit, et je crois que c'est assez important de le comprendre, que l'Europe est loin d'être démunie aujourd'hui sur ces questions-là, et que l'Europe a une véritable capacité à fabriquer de la norme et de la norme mondiale. Alors évidemment, quand on se rappelle IFRS et la comptabilité, c'est le contre-exemple de ça, mais on a des exemples très positifs de ça. Moi, je me souviens, début de ma carrière, quand je travaillais sur les fonds d'investissement, quand l'Europe est arrivée sur la directive UCITS et qu'elle a défini ce qu'était un fonds d'investissement, c'est devenu une norme mondiale. Aujourd'hui, toutes les réglementations du monde entier ont fait un copier-coller de ce qu'était la définition du fonds d'investissement dans UCITS. Ça a été le cas ensuite sur la chimie avec REACH, la directive REACH, est une directive qui est une directive aujourd'hui mondiale, en fait, en réalité.
C'est pas un sujet européen. On a exactement la même chose qui est en train de se passer avec RGPD. L'Europe a été la première à s'intéresser au sujet de la sécurité des données. Elle a défini de la norme sur la sécurité des données et c'est en train de devenir une norme mondiale. Et je crois que sur la finance durable, il peut se passer la même chose. Quand vous voyez que la SEC est en train de travailler sur l'identification des produits financiers et qu'elle reprend cette classification en trois catégories qui est celle de la SFDR, alors pas exactement de la même façon, avec des notions un petit peu différentes, mais avec cette même philosophie de donner trois catégories de classification des fonds d'investissement, on voit que là, il y a une capacité de l'Europe à se déployer. Et alors, on n'a pas à nous cette notion d'extraterritorialité que les Américains aiment beaucoup et qui font que eux, quand ils font une norme, ils veulent l'imposer tout de suite. On a une autre façon, beaucoup plus dans l'influence, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Merci beaucoup. Donc là, on est pas mal au niveau du timing. Il est 11h03. Donc on va tâcher de rester dans les 20 minutes pour une question que je vais vous poser à chacun. Je vais commencer par vous, Salvatore, sur l'importance d'ancrer les considérations environnementales dans la prise de décision des acteurs. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Quelle précision vous pourriez nous donner, qu'il s'agisse de la CSRD ou peut-être évoquer le devoir de vigilance européen qui est en train de se construire? Effectivement, une fois qu'on a fixé un cadre réglementaire et qu'on a invité les entreprises à être plus transparentes et d'avoir une donnée harmonisée, consolidée, lisible, ensuite, effectivement, il faut que ça s'ancre concrètement, je dirais, dans la vraie vie, au quotidien. Et donc, nous, on réfléchit à des leviers. Je vais en citer quatre ce matin. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais quatre qui me paraissent importants. Le premier, c'est un vrai enjeu de gouvernance et donc de formation des cadres dirigeants, des COMEX, des comités d'entreprise. Et donc, voilà, qu'il y ait une prise de conscience et une meilleure éducation, je dirais, aux enjeux ESG de la part des dirigeants. Alors, vous l'avez vu, il y a eu une communication là-dessus. Il y a une semaine, le gouvernement s'est plié à cet exercice. On va dire que c'est le COMEX de la France, avec une formation, alors, 30 minutes. Bon. Je ne commente pas, mais en tout cas, voilà, madame la présidente du GIEC... J'ai entendu quelqu'un qui disait que c'est un peu court. Mais nos ministres sont très intelligents et en 30 minutes, ils peuvent comprendre. Non, voilà. Donc voilà, en tout cas, c'est un signal que tout le monde doit s'y mettre et voilà, le gouvernement s'y met et c'est important que le cadre dirigeant le fasse aussi. Lié à ça, il faut les intéresser. Et donc nous, le gouvernement, madame Borne l'a redit encore au MEDEF il y a quelques jours, on pousse pour mettre davantage, de lier davantage la rémunération des dirigeants à l'atteinte d'objectifs en matière de performance ESG. Donc on y travaille en ce moment avec les fédérations professionnelles et puis on réfléchit aux meilleurs moyens de parvenir à mieux intéresser les cadres dirigeants à la performance ESG de leur entreprise. Le troisième levier, c'est autour de l'achat durable. La loi climat résilience a indiqué que d'ici 2026, pour ce qui concerne le secteur public, tous les contrats de commande publique devront intégrer une obligation, une disposition sociale ou environnementale. Donc on voit qu'on enrichit, là aujourd'hui c'est essentiellement le signal prix qui compte dans un marché public. Demain, et dans pas très longtemps, on devra aussi, sur un même pied d'égalité, tenir compte de critères sociaux et environnementaux. L'achat public, c'est plus de 250 milliards d'euros chaque année. Donc on voit que c'est un vrai levier de transformation. Et donc en offrant cette possibilité, enfin, du côté de la demande publique, il y aura l'intégration de ce critère. Et donc ça doit évidemment inciter du côté offre à transformer sa manière de produire pour pouvoir effectivement remporter ces appels d'offres publics. Le public le fait, mais évidemment, l'achat, c'est aussi beaucoup le secteur privé. Et donc, on souhaite par là aussi inciter les grands acheteurs du domaine privé à aussi peut-être davantage intégrer cette notion de critères de développement durable dans leur contrat. Et puis le quatrième, et je conclurai là, c'est la labellisation. C'est aussi un moyen d'informer l'épargnant, le consommateur sur quand il achète un produit financier, qu'il sache à quoi il a affaire. Et donc on a notamment deux labels publics aujourd'hui, le label ISR qui est piloté par Bercy et le label Greenfin qui est piloté par le ministère de l'écologie.
Et je pense que c'est important aussi d'avoir ces labels publics dans une galaxie de labels dans lesquels ce n'est pas forcément simple de s'y retrouver, mais en tout cas, on assoit la crédibilité et la performance de ces fonds en y accolant des labels sur lesquels on travaille, et notamment avec Philippe qui est à mes côtés. Une petite suggestion. Moi, je trouve tout à fait intéressant que l'on assujettisse la rémunération des dirigeants d'entreprise à l'atteinte des objectifs ESG, RSE. Une suggestion serait de faire la même chose au niveau des ministères, des collectivités, des administrations, finalement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer. La commande publique, c'est 250 milliards d'euros. Et je pense que ce serait un signal assez fort, finalement, parce que si on prend une collectivité, qu'il s'agisse d'un conseil départemental, qu'il s'agisse d'un conseil régional, voire des ministères, il y a aussi la nécessité, finalement, de pouvoir soutenir à des trajectoires. Ce serait intéressant. À voir. Ils sont moins payés quand même. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Philippe, sur la double matérialité, vous aviez réagi à un post d'Emmanuel Faber sur LinkedIn. Donc là, on nous expliquait le bien fondé de la matérialité financière. Moi, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de ce sujet de double matérialité. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Salvatore, la prise en compte non seulement des risques financiers que font peser l'environnement, le social sur l'entreprise, mais l'impact de l'entreprise sur l'environnement et le social. Qu'est-ce que ça signifie pour une entreprise comme la vôtre ? Et vous l'évoquiez il y a quelques instants, l'Europe a une puissance de feu non négligeable pour émettre des directives qui ensuite sont adoptés au niveau international. Comment ne pas perdre le combat de la matérialité face à l'ISSB et donc l'IFRS? C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne crois pas que le combat soit perdu, loin de là. Je pense qu'il faut que l'Europe se tienne et ne résiste aux pressions. Il y a des pressions très, très fortes. Hein. Je parlais celle de certaines grandes entreprises tout à l'heure. Les pressions de l'ISSB aujourd'hui sont très fortes. Hein. L'ISSB est en train de demander à l'Union européenne de décaler son travail, en fait, d'aller plus lentement. Parce que comme ils ont un tout petit peu de retard sur le timing, ils ont très peur que l'Europe shoote la première et donc qu'on ne puisse pas ensuite rattraper ça. Et donc ils disent à l'Europe, attendez-nous, et puis ensuite vous verrez. Et puis nous, on va établir la norme mondiale. Puis si vous voulez rajouter des petits trucs par-dessus, vous aurez le droit de rajouter des petits trucs par-dessus. Je crois qu'il faut résister à ça. Il faut dire non, on a une légitimité à fabriquer de la norme au niveau européen. Et on a des spécificités très fortes aujourd'hui dans notre tissu industriel, dans notre tissu économique et financier qui font qu'on veut aller dans ce sens-là. Et alors, évidemment, c'est très important pour nous, gérants d'actifs impliqués, très engagés dans le développement durable depuis longtemps. Parce que, si vous voulez, si on en reste à la matérialité financière, il n'y a plus beaucoup de différence entre de la gestion d'investissement classique et de la gestion d'investissement responsable, en réalité. Parce que si vous considérez que vous ne prenez en compte que ce qui a un impact financier pour l'entreprise, tout le monde doit le prendre en compte. Je veux dire, à quoi ça sert, en quelque sorte, même d'identifier quelque chose de spécifique? Normalement, ça devrait déjà être le cas. S'il y a un impact financier, bien entendu, tous les gérants financiers commencent à le regarder. Et c'est ce qui se passe, en réalité. Donc, d'une certaine façon, ça a relativement peu d'utilité, en quelque sorte, si on va uniquement dans ce sens-là. Après, sur la façon dont on utilise toutes ces données-là dans la gestion d'actifs, je voulais peut-être aussi remettre ça un peu en perspective sur différentes phases, en quelque sorte. Quand on a commencé à parler de finances vertes ces dernières années, la première idée qu'on a eue et qui reste valide aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut faire une réallocation d'actifs. Je me souviens de cette grande conférence Climate Finance Day, le premier Climate Finance Day qui avait été organisé en 2015, juste avant la COP21. Et le titre, c'était « Shifting the Trillions ». Donc, il fallait faire bouger les milliards de l'ancien monde vers le monde nouveau. Hein. Donc, cette idée de réallouer des actifs et donc de repositionner des actifs vers les solutions, ça a été la première façon de faire de la finance durable. Et donc, investir sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, sur les véhicules électriques, sur l'hydrogène, etc. Donc, apporter de l'actif là où c'est utile. Et en faisant ça, on a un peu oublié le monde ancien. On ne s'en occupait pas trop. Alors, soit on faisait de l'exclusion, soit on mettait
un mouchoir dessus, mais en tout cas, on ne s'en occupait pas beaucoup. Puis il y a une deuxième phase qui était de se dire il faut aussi accompagner la transition. Et de se dire, il y a des boîtes, ça peut être des PME d'ailleurs, ça peut être des petites boîtes, qui sont aujourd'hui dans une phase où ils doivent changer leur mode de production et donc transitionner. Et il faut les accompagner, apporter du financement aussi pour cette transition. Alors c'est souvent un peu compliqué et c'est très controversé parce que ça peut aussi être utilisé comme un alibi pour continuer à faire du business as usual. C'est-à-dire que quand vous avez un gérant d'actifs qui vous dit « moi, je continue à investir sur Total parce que je finance leur transition », c'est discutable. Je ne dis pas que on peut en parler, mais c'est discutable. Et donc, cette définition claire de qu'est-ce que c'est que la transition est déjà un petit élément complexe. Et je crois que ça, c'est donc le deuxième volet. Et puis je pense qu'on arrive aujourd'hui à un troisième volet qui est beaucoup plus compliqué, qui est qu'on est en train de se rendre compte qu'au-delà de l'investissement dans les solutions, au-delà de la transition, on avait un vrai sujet de ralentissement, de sobriété. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui, qui est le mot à la mode partout, la sobriété. Et là, la finance est, il faut bien le reconnaître, assez démunie, parce que sa tendance naturelle, c'est quand même d'investir pour de la croissance, pour du plus. On sait investir pour du plus, on ne sait pas beaucoup investir pour du moins, et pourtant, je pense qu'on va être obligé de s'y mettre, c'est-à-dire d'inventer... Alors, si je voulais être provocateur, je dirais la finance de la décroissance, mais en tout cas, une finance qui sait gérer la rareté des biens. Il y a déjà l'investissement à impact. C'est en partie l'investissement à impact, et c'est donc se dire, on a une certaine rareté aujourd'hui de la matière, on utilise trois planètes, il va falloir peut-être un jour penser à en utiliser qu'une seule, et donc ça veut dire qu'il va falloir gérer cette rareté. Or, la finance, l'économie est un outil normalement assez extraordinaire pour gérer de la rareté. Pour autant que l'on intègre ces éléments de données dans nos décisions. Alors aujourd'hui, on gère de la rareté de capital, mais on ne sait pas gérer de la rareté de matière. Et donc, toutes ces évolutions réglementaires, comptables, etc., doivent avoir pour objectif final ça, réintégrer la matière dans la façon dont on mesure le business des entreprises et donc, du coup, réutiliser la finance pour être une finance de la sobriété et pour donc allouer intelligemment cette matière pour faire pour produire ce dont on a réellement besoin. Merci beaucoup. Alors justement, puisqu'on est sur le financement, Grégoire, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu quelques exemples des modes d'accompagnement, ce que vous prenez en compte, vous l'avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, les notions de trajectoire, les notions de coût carbone, quid de la notion d'impact, où vous en êtes aujourd'hui dans l'accompagnement des projets qui vous sont soumis? Alors c'est une très, très bonne transition et puis je vais pouvoir réagir un tout petit peu sur les trois tendances qu'a évoqué Philippe. La première, je suis tout à fait d'accord, et d'ailleurs l'Europe est à plein dedans, c'est-à-dire investissement dans les infrastructures lourdes d'énergie renouvelable, et on y est totalement. La deuxième également, je suis un tout petit peu plus lancé sur la troisième, dans le sens où la sobriété, ça peut être aussi des investissements. Je pense notamment à la rénovation thermique des bâtiments. Et l'Europe est assez, en tout cas, en avance sur cette thématique, au niveau en tout cas des investissements qu'on peut faire à la Banque européenne, sur accompagner le secteur public, qui a été un peu décrié tout à l'heure, mais accompagner le secteur public dans ses choix de transition et de sobriété dans la consommation énergétique. La meilleure électricité, c'est celle qu'on ne consomme pas. Accompagner le secteur privé également et les bailleurs privés dans la rénovation thermique, ce sont des choses que l'on essaye de soutenir et de financer. D'autres secteurs, comme l'économie circulaire, permettent une forme de décroissance tout en favorisant des investissements. Et on a, par chance, en tout cas en France, des exemples assez intéressants de fonds d'investissement, d'entreprises dans ces secteurs-là et qu'on a pu accompagner. La notion d'impact que vous avez évoquée, c'est un élément, c'est peut-être l'étape d'après l'ESG. L'ESG étant une photo à la datée, l'impact, on est plus sur une trajectoire et puis l'engagement du chef d'entreprise de s'intégrer dans cette trajectoire, mais quelque part on y est puisqu'on s'inscrit dans une forme de durée et de trajectoire. Et vous me posiez la question sur les hypothèses et les choix que l'on peut faire dans nos décisions d'investissement. J'évoquais tout à l'heure la prise en compte des externalités. Pour vous donner un exemple sur le prix du carbone, et là encore, nous sommes transparents dans la vision prospective que l'on peut faire.
on explique aux clients, aux promoteurs de projets, qu'on a toujours intégré dans un TRI social, dans un TRI environnemental, dans notre analyse de décision de financement, la prise en compte d'une émission d'équivalent tonne de carbone, et qu'on désormais on va lui donner un coût. Et donc ça va pénaliser un certain nombre de projets, car ce coût il va être croissant. Et on a déjà, en s'appuyant d'ailleurs sur les travaux de France Stratégie, hein, montre encore une dynamique française sur cette thématique. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui on est à 80 euros. On a déjà mis sur la table et explicité de façon transparente que dans moins de 10 ans, à horizon 2030, on sera à 800 euros. C'est-à-dire qu'un projet qui aurait pu être financé il y a encore quelques années, un projet routier, par exemple, qui aurait pu être financé par des financements européens, pour l'être dans 8 ans, devra bénéficier d'externalités positives extrêmement fortes, sur la sécurisation, par exemple, pour pouvoir passer le cap d'un intérêt. Mais donc, on matérialise quelque part l'impact négatif environnemental. Et notre engagement au niveau de l'institution, c'est qu'on soit, on l'a évoqué à plusieurs reprises, aligné aux accords de Paris, c'est-à-dire qu'à la fois notre portefeuille, mais surtout projet par projet, aucun des projets que l'on finance ne peut avoir d'impact négatif sur le climat. Donc au pire, les financements publics européens sont utilisés pour des projets à impact avec une neutralité carbone. Sans prise en compte de la compensation. Sans prise en compte de la compensation, tout à fait. D'accord. Alors, on reste sur la donnée, Sébastien. Prendre le train en marche de l'évolution des exigences en matière de robustesse et de transparence des données. On a une grande histoire en France du reporting, 20 ans déjà de reporting, avec la loi NRE, avec l'article 225 du Grenelle 2, avec la déclaration de performance extra-financière. On voit aujourd'hui, avec la France qui a été assez pionnière en la matière, une CSRD qui va sévériser en quelque sorte la demande de transparence et de robustesse des données. Qu'est-ce que ça veut dire pour les entreprises? Quel est le niveau de challenge par rapport à aujourd'hui? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en fait, faire du reporting RSE, il y a une petite barrière à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a en effet un niveau de complexité réglementaire, et puis plus votre société est grosse, plus il y a une complexité à orchestrer en fait toute cette collecte des données. Je pense que ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que la collecte des données et puis tout ce reporting, il avait un état d'esprit initial qui était de donner de la transparence aux parties prenantes. Donc être capable de donner à vos collaborateurs, à vos représentants syndicaux, la visibilité sur qu'est-ce que vous faites, sur les éléments sociaux, sur l'environnement, sur comment vous gérez votre société. Ça donnait aussi de la transparence aux actionnaires, pour ceux qui avaient, je dirais, une volonté de rentrer dans le détail. Et puis ça donnait une vision aux actionnaires. Voilà. Et de maturité 1. Maturité 2, cette donnée elle a été utilisée par les agences de notation qui ont permis de classer les entreprises avec différentes notes, donc les notes classiques, EcoVadis, DJSI, CDP, etc. Et qui a donc permis aux entreprises de se mesurer et d'identifier où elles pouvaient progresser. Donc là, vous voyez qu'on est au niveau 2 où les entreprises commencent à regarder, elles se comparent. Alors je parle d'entreprises matures, hein, encore une fois, et elles identifient où est-ce qu'elles peuvent progresser. Voilà, c'est des sujets aussi qui ont été repris par les investisseurs et qui ont du coup commencé à poser des questions aux entreprises en disant voilà, je ne comprends pas, quand je regarde le CDP, vous êtes noté C, votre concurrent est niveau A, comment ça se fait, qu'est-ce que vous faites pas, est-ce que vous allez le faire, pourquoi, comment, et je vous juge, j'écrirai du coup dans ma note d'analyste que vous êtes en cours de progrès, contrairement à votre voisin qui est plutôt leader. Bon, ça c'est embêtant parce que ça, ceux qui lisent ça, il y a deux personnes. Il y a celui qui s'occupe des relations investisseurs qui dit « Attendez, on a un problème ». Et puis la direction générale qui dit « Moi, j'aime quand même pas quand mes concurrents ils sont mieux que moi, donc il faut qu'on fasse quelque chose ». Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un effet. Donc au début, on était sur la transparence. Niveau 1, bon, c'était sympa, on s'est fait plaisir, on a publié un beau document. Niveau 2, bon, il y a quand même des gens qui posent des questions et qui nous expliquent qu'on pourrait progresser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en mouvement. Et là, en fait, il y a un nouvel outil qui est apparu, il s'appelle la taxonomie. Qui est un nouvel outil, et pour l'instant, ça n'a pas été encore totalement bien perçu, parce que ça n'a pas complètement atteint l'objectif, dans lequel on va dire, bon, ben voilà, votre entreprise, elle a un pourcentage de chiffre d'affaires qui contribue à des objectifs écologiques. Voilà. Et là, en fait, on va arriver dans une logique où, ben,
chacun va publier son petit chiffre gentiment. Et puis en face, en fait, il y a des banques sur lesquelles, en France, on aime bien montrer du doigt en disant « Oh là là, ils font pas bien les choses ». Et donc, comme ils font pas bien les choses, ben, maintenant, ils vont avoir un objectif qui est d'investir dans les entreprises qui ont des beaux chiffres en fait, environnementaux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette problématique de reporting, initialement, c'est juste quelques données de plus, elle donne un outil aux banques qui dit ben, « Maintenant, moi, j'investis dans les entreprises qui sont vertes et fatalement, j'investis plus dans les autres ». Et là, vous voyez qu'en fait, on est rentré dans une dimension économique. C'est-à-dire que vous avez ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent. Et donc, si vous n'avez pas d'argent, votre vie va être quand même beaucoup plus compliquée. Et puis, si vous voulez progresser, ça veut dire que bon, vous êtes fait avoir la première fois. Donc, la question que vous posez, c'est bon, comment je corrige la deuxième année ? Donc là, vous voyez qu'en fait, on entretient un deuxième facteur qui est qu'il faut que je me transforme. Il faut que je vois comment je vais améliorer mes chiffres. Et donc là, en fait, on va toucher en fait, deux dimensions. La première, c'est j'ai des contraintes et pour améliorer mes chiffres de taxonomie, j'ai des actions en interne à faire. Il faut que je sois aligné avec des réglementations, voire il faut que je demande à mes fournisseurs d'être alignés avec, avec cette réglementation, faute de quoi, personnellement, je changerai de fournisseur. Donc, vous voyez que là, je suis complètement dans une dimension business. D'accord ? Et je rentre dans cette logique complète en fait, de transformation. Si je ne le fais pas, mes chiffres vont rester faibles, je n'aurai pas de financement et mes concurrents bénéficieront du financement. Donc vous voyez qu'on est en train de mettre en place en fait, cette transformation. Au début, ça s'appelle du reporting, ça s'appelle la taxonomie. Il y a des articles, on passe un certain nombre de temps chez nous avec l'équipe à regarder, à passer du temps avec les fournisseurs. Et on est en train du coup de dire à nos fournisseurs, attendez, vous avez compris que nous, on est obligé d'être performants, donc il faut que vous le soyez. Parce que si vous ne l'êtes pas, mon chiffre, il ne va pas monter, donc je suis obligé de changer. Donc vous voyez, c'est ça la nouvelle dimension qu'on est en train de toucher du doigt. Parce que les banques, eux, ils vont mettre l'argent, ils sont obligés. Parce qu'ils vont dire quoi, les banques ? Ils vont dire, attendez, moi, regardez, mes investissements, il n'y a que des sociétés qui ont des gros chiffres en environnement, qui ont un grand niveau de taxonomie. Les autres, sérieusement, je ne peux pas. Vous voyez, parce que sinon, en fait, j'ai les gens qui disent que je n'agis pas en fait, en alignement avec les contraintes de la planète. Donc ça, vous voyez, c'est le nouvel événement, la dimension dans laquelle on est en train de rentrer, où... Si je veux progresser, il faut que j'ai des beaux chiffres. Un, il faut que je me transforme en interne. Et deux, il faut que je demande à mes fournisseurs de me transformer. Donc vous voyez qu'on retrouve la logique du train où fondamentalement, vous pouvez décider de rester sur le quai. Bon voilà, si vous êtes travailleur indépendant, ça peut durer sans difficulté. Mais si vous êtes une entreprise qui veut interagir au niveau européen, voilà, qui est sur des dimensions concurrentielles, vous êtes obligé en fait, d'intégrer toutes ces contraintes. Et quand bien même vous n'avez pas décidé d'avoir un esprit vert ou durable, votre business en fait, ne pourra que décliner. Donc c'est ça l'inflexion qui est en train de se passer. C'est-à-dire que initialement vous faites du reporting voilà, pour se comparer, pour progresser, pour donner de la visibilité. Là, en fait, maintenant, ce reporting, il est un vrai outil en fait, sur tous les fonds pour essayer d'identifier justement ceux qui font du greenwashing de ceux qu'on ne font pas. Et donc, ils seront heureux de dire qu'ils vont plutôt sur du vert, même s'il y aura toujours des erreurs. Et puis, de votre côté, quand vous êtes acteur, vous êtes obligé de vous transformer. Avant, vous faisiez du reporting en disant, voilà, moi je réduis mes tonnes de CO2, je suis en accord avec Paris. Bon, voilà, c'est gentil, plus, moins. Des fois, je fais des acquisitions, alors mes chiffres, ils baissent. Bon, c'est pas de chance, je vais rattraper au coup d'après. Là, c'est plus ça. Il faut transformer. Puis en plus, vous êtes obligé de dire à vos fournisseurs, vous transformez aussi, sinon je suis obligé d'aller ailleurs. Donc c'est ça, je dirais, l'inflexion qu'on est en train de toucher là pour les mois et les années à venir, qui est qu'on est en train de créer une tension, une dynamique qui va fondamentalement faire accélérer le train. Donc du reporting d'engagement, du reporting de pilotage. Alors, ce que vous disiez à travers les lignes tout à l'heure, Mélodie, c'est que le reporting n'est pas une fin en soi. Et j'évoque le fait que, notamment pour les entreprises de taille intermédiaire et les PME, la CSRD allait constituer un challenge. Or, vous nous disiez que vous aviez, à la FNOR, enregistré un nombre croissant de demandes d'accompagnement à la labellisation. Quel lien faites-vous entre... la labellisation ESG, la CSRD peut-être pour rassurer ces PME. Y a-t-il un lien ? Y a-t-il un gap ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus avant que nous passions aux questions de la salle ? Alors avant peut-être revenir sur des éléments qui ont été partagés, est-ce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier que la France notamment a été pionnière en matière de normalisation de développement durable et de RSE ? Est-ce que c'est la France qui a été à la base à l'origine de... la seule et l'unique norme aujourd'hui, norme internationale ISO, ISO 26000, qui définit ce qu'est la RSE pour toutes les organisations, quelle que soit leur taille,
leur structure juridique, leur secteur d'activité et leur territoire d'implantation. Donc, quand on parle souvent de fuite de l'expertise en matière d'analyse financière française au profit d'approches plus américaines, je pense qu'il ne faut pas oublier de se rappeler que l'ISO 26000, à la base, a une jeunesse française et qu'aujourd'hui, ça reste le standard normatif international qui donne les lignes directrices pour toutes les démarches RSE des organisations à l'échelle mondiale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir aussi quand on fait un petit peu le focus sur comment est constituée l'ISO 26000 et ce qu'elle apporte aux entreprises et à ses utilisateurs, l'ISO 26000 reprend, enfin c'est plutôt la CSRD qui peut potentiellement s'en inspirer, mais dans l'ISO 26000, on a déjà cette approche triptyque CSRD, à savoir structurer une démarche de RSE en lien avec les enjeux RSE métiers d'une entreprise, déployer des actions pertinentes qui répondent aux enjeux sectoriels de l'entreprise, que toutes les entreprises et les organisations n'ont pas les mêmes enjeux sectoriels RSE à adresser, et mesurer la performance des actions qui sont menées. Donc cette approche qui est demandée dans les nouveaux reporting de durabilité apportés par la CSRD est déjà celle de l'ISO 26000 et est déjà appliquée par un très grand nombre d'entreprises, y compris des TPE, des PME, à l'échelle française et à l'échelle européenne. Donc déjà se rassurer sur ça et peut-être rassurer les entreprises qui voient arriver la CSRD comme une énorme contrainte, leur dire mais vous faites déjà en fait des choses là-dessus, vous avez déjà cette philosophie et cette approche dans vos actions stratégiques et dans le déploiement de ces actions, et donc pas de panique. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. Le deuxième, c'est qu'il existe en effet énormément d'outils aujourd'hui qui existent pour accompagner les entreprises à se préparer à ces futurs reportings de durabilité qui vont effectivement demander beaucoup de structuration et de méthodologie. Et parmi ces outils, il y a des labels, on en parlait tout à l'heure, des labels RSE crédibles, parce que tous ne le sont pas. On a parlé aussi tout à l'heure d'une démultiplication des signes de reconnaissance. Ça, c'est un fait. Vous êtes tous dans la salle très au courant que sur ces 3-4 dernières années, il pleuve des nouveaux labels, des signes de reconnaissance, des trophées, des indices, des marques, des logos. Et qu'effectivement, ça contribue à venir flouter un petit peu la compréhension de tout un chacun sur ça. Mais il existe, parmi ce florilège de choses pas très crédibles, des labels RSE crédibles et robustes qui sont basés sur l'ISO 26000. On peut parler du label Lucie, ça ne me dérange pas d'en parler même si je suis AFNOR. On peut parler du label Engagé RSE aussi, d'AFNOR Certification. Ces labels sont des labels qui sont basés sur ISO 26000 et qui challengent un petit peu les entreprises à structurer leur stratégie, leur démarche RSE, la déployer et mesurer l'efficacité des actions qui sont déployées. Et donc en cela, toutes les entreprises qui sont engagées sur ces labels-là et qui ont fait l'effort d'aller faire appel à un organisme indépendant pour valider la maturité de ces démarches RSE dans leur structure, sont prêtes pour le reporting de durabilité. Et même si elles ne sont pas assujetties à la CSRD parce que, étant en deçà des seuils qui sont imposés par la CSRD, elles peuvent tout à fait avoir un reporting de durabilité tel que la CSRD le demande. Voilà. Eh bien, merci. Donc, on a commencé avec 5 minutes de retard, donc on va garder ces 5 minutes de manière un peu autoritaire. S'il y a des questions de la salle, elles sont les bienvenues. Je vous en prie. Vous avez un micro juste derrière vous, je crois. Tenez, on vous l'apporte. Bonjour et merci bien pour vos interventions tout aussi passionnantes. Donc on a bien compris, on est tous acteurs de la transformation en ce moment et qu'il faut monter dans le train. Tout dépend de la maturité. J'aimerais savoir quelle est votre perception dans le secteur des coopératives. Comment s'intègre-t-elle dans ses objectifs de développement durable? On est sur des entreprises à ciel ouvert, donc sur un autre périmètre. J'aurais aimé savoir quelle est votre vue sur la question, jusqu'où ils peuvent aller, quels sont leurs freins, quelle est votre vision, tout simplement. Je vous remercie. Est-ce que, Salvatore, vous pouvez répondre à cela? Ou quelqu'un d'autre, peut-être? Mélodie, vous étiez prête. Non, mais oui, priorité aux femmes. Non. En fait, les coopératives, c'est un super modèle qui permet souvent d'embarquer assez vite tous les adhérents dans des démarches RSE ou ESG. Parce que quand vous avez, et c'est la même chose au niveau des fédérations professionnelles ou des organisations professionnelles, quand vous avez une tête de réseau qui chapeaute un petit peu un engagement et qui souhaite entraîner une dynamique, ça marche très bien. Et il y a des approches RSE ou ESG un petit peu sectorielles qui permettent aux coopératives de s'engager là-dedans rapidement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Voir COP de France avec Benjamin Perdreau, je ne sais pas s'il est là, mais ils ont fait un travail remarquable. Merci beaucoup. Une deuxième question. Oui. Bonjour. Allez-y. Oui, je suis au fond là-bas.
Vous êtes au fond. Oui. Allez-y, allez-y. Oui, hier, le BIT a publié un rapport qui indique qu'il y a à peu près 50 millions de personnes en situation d'esclavage moderne, avec plus de 10 millions depuis 2016. Aujourd'hui, vous avez pas mal parlé du reporting côté environnemental. Est-ce que vous pouvez en toucher deux mots sur ce que vous voyez émerger en termes de choix stratégiques ou et indicateurs côté social ? Je peux commencer, puis... oui, pardon. Effectivement, moi, du ministère de l'Environnement, je dirais que j'ai un focus naturel qui est plutôt sur l'environnement, mais on est évidemment conscience que le reporting il est multidimensionnel et qu'il y a évidemment beaucoup d'enjeux sociaux. Et dans les travaux de l'EFRAG, les indicateurs ne porteront pas que sur l'environnement. Alors, je pourrais pas vous détailler les indicateurs sociaux qui sont retenus, mais en tout cas... Il y a deux dossiers qui sont aujourd'hui consacrés. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que côté français, cet enjeu de supply chain et d'intégrer dans les décisions d'entreprise une préoccupation sur les impacts sociaux, elle a été notamment consacrée par une loi sur le devoir de vigilance qui existe en France depuis 2017, qui fait suite au drame du Plaza qu'on a plus par où en tête en 2017, enfin en 2013. Et que la France, comme elle l'est parfois et assez souvent d'ailleurs, a été pionnière et qu'aujourd'hui en Europe, il y a, je crois, les Pays-Bas qui ont une loi à peu près similaire, l'Allemagne qui est en train de le faire et, naturellement, la Commission s'en est saisie. Et donc, on discute en ce moment une loi sur le devoir de vigilance qui, en fait, a plutôt une vocation sur les droits humains, et donc je pense que ça répond complètement à votre question, même si justement on l'enrichit désormais de considérations environnementales. Mais je pense que cette loi européenne sur le droit de vigilance doit permettre, en tout cas pour les entreprises européennes, de prendre davantage en compte ces enjeux de droits humains, et notamment effectivement d'esclavage dans les pays tiers. Merci pour cette réponse. Un complément. Oui, juste un mot quand même pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Typiquement, ces questions-là sont non matérielles d'un point de vue financier et donc ne seront pas traitées par l'ISSB. Voilà. C'est bien ça. C'est une précision importante. Une troisième question. Merci beaucoup. Sophie Faujour, EVPA, Réseau européen des investisseurs pour l'impact. On a à peu près une centaine de multinationales dans ce réseau qui sont vraiment mobilisées pour l'impact avec beaucoup de directions d'engagement. Évidemment, ce sujet du reporting est totalement central pour eux. Question sur la taxonomie sociale. On a vu les bienfaits de la taxonomie environnementale qui est sortie en début 2021. On a vu que ça avait un vrai effet bénéfique, un cercle vertueux sur la transformation des business models et les choix stratégiques des entreprises. Il y a quelques jours, la Commission européenne a dit qu'elle elle lâchait un peu le crayon sur la taxonomie sociale. Donc, je voulais vraiment savoir, est-ce que c'est un vrai pas en arrière ? Comment la prise en compte du S dans le ESG va... Voilà. Très clair. Merci beaucoup. Qui répond ? Merci. Un mot peut-être rapidement. Il y a eu un premier travail qui avait été fait par la plateforme, hein, par l'ancien groupe technique sur la taxonomie sociale, hein, proposition de structure, et qui était assez, alors qui était très super intéressant, mais à la fois qui montrait la complexité de l'exercice. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est dans un exercice très différent de la taxonomie environnementale. La taxonomie environnementale, c'est une liste d'activités. On prend des activités, on les liste. C'est ça, ça marche, ça marche pas. C'est dedans, c'est pas dedans. Quel est le critère à partir duquel c'est dedans ? Sur une taxonomie sociale, on voit bien qu'on ne peut pas traiter le sujet de cette façon-là. C'est un sujet qui s'immisce, j'allais dire, dans la quasi-totalité du business. Et donc on ne peut pas traduire ça par une liste d'activités, ou en tout cas très difficilement. Et donc c'est pour ça que j'ai un certain scepticisme sur le fait de vouloir faire une taxonomie au même sens que la taxonomie environnementale. Je pense qu'en revanche, on a à travers la structure DNSH, donc Do Not Significantly Harm, c'est-à-dire donc de ne pas porter atteinte, de ne pas faire du mal, je crois un bon angle sur la partie sociale qu'il faut peut-être renforcer. Moi, je pense qu'il est plus facile de renforcer cet angle-là que de vouloir
essayer de faire exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'environnement. Mais bon, c'est encore une fois pour essayer de trouver des choses qui soient simples et applicables et faisables. Parce que sinon, on peut toujours se lancer dans des grandes analyses, mais à la fin, on n'arrive pas à quelque chose qui soit réellement utilisable. Eh bien, il me reste à remercier nos intervenants pour la qualité de leur prise de parole. Et merci de vos questions. Thank you.